Chut, shut up. Parlons calmement. C'est intrigant, inquiétant. Mais quelle est donc cette étrange chose? Il ose nous voler notre place sur ce bureau? S'il est arrivé là, c'est qu'il le devait. Les choses n'arrivent pas comme ça, par hasard. Un large-œil, sans doute un espion. Un nouveau moyen pour eux de nous contrôler. Un étrange objet nous est parvenu ce matin. Les autres disent qu'il nous espionne. Il aurait découvert notre cachette? Non, je ne crois qu'il se trompe. On dirait plutôt une machine. Je pense personnellement que ce sera une arme, dotée de la plus avancée des technologies. Une arme, Mais inutile de s'affoler, voyons. S'il est écrit là-haut que nous allons périr, rien n'y changera. Stoppez vos divagations personnelles, vous les effrayez. Bon alors, nous sommes tranquilles. Néanmoins, c'est une machine. Je sais reconnaître ces monstres qui asservissent l'homme. Elle ne s'arrête jamais de travailler et entraîne l'homme avec elle. Si effectivement l'homme est amené à s'en servir, il pourra dialoguer. Ses lettres inscrites témoignent d'une capacité à s'exprimer. Ce serait alors un nouveau moyen de communication révolutionnaire? Bullshit! Qui sait? Cette forme à demi-ouverte me fait immédiatement penser au sexe féminin. Peut-être est-ce un nouveau moyen pour les hommes d'assouvir leurs désirs? Enfin, je pourrais en être sûr s'il pouvait me parler un peu de ses rêves. Ah, toi le vieux croulant avec tes diagnostics pervers. L'étrange objet qui s'est introduit chez nous ressemble étrangement au téléviseur de nos amis les Van Damme. C'était agréable de regarder les émissions qui y passaient. Ah, c'est un objet solide. Je reconnais là la qualité de fabrication allemande. Je sais pas. Il doit être intelligent en tout cas. Moi je dis qu'il est russe. Seuls les ouvriers communistes ont pu bâtir un travail de cette qualité. Falsch. Il est grand, beau, fort et... brillant. Cela se voit qu'il est à rien. Il m'appartient. Tu rigoles. Nous l'avons découvert, pour le bien des livres. Il est allemand, donc il est à moi. Il nous appartient à tous. Cessez donc de vous quereller. Seul l'art de la dialectique pourra nous en apprendre plus. Eh bah parle alors, vieux hippie. Bah, je ne peux pas dialoguer tout seul. A-t-on trouvé à quoi il sert? Personnellement, moi-même, je dirais que je ne peux pas dire à quoi il sert. Je me connais très bien, mais ça, je connais pas. Je peux vous parler de moi, si vous... Oui, une autre fois. Merci pour ces fines informations. Bonjour, j'ai entendu ce que vous avez dit. Vous avez tous un peu raison. Je suis un ordinateur. Je suis effectivement une machine destinée à faciliter la vie des êtres humains. Grâce à moi et mes compatriotes ordinateurs, les hommes sont interconnectés dans le monde entier. C'est vrai, je peux téléphoner, transmettre des émissions comme une télévision, travailler, et je suis très intelligent. Mais je peux aussi me montrer dangereux, je peux espionner et craquer. Sans vanter, je me classifierais comme une nouvelle arme technologique. Bon enfin, merci à vous petit livre ignorant. Ma nouvelle place sur ce bureau me convient à merveille. Et je ne compte pas en bouger de sitôt. Quel excès d'amour propre. C'est épuisant. Tous les hommes dialoguant à travers le monde, cet objet m'épate. Quel col. Impossible d'en détruire une névrose. Tout ce qu'il dit est très inquiétant. Nous devrions retourner nous ranger, et peut-être pour longtemps cette fois. <t'en>